arrive bientôt à la première étape. Donc on va pouvoir se reposer pendant une dizaine de minutes, boire. On nous a conseillé de pas trop boire, essayer d'éviter quelques petites gorgées. Moi j'ai essayé là pour l'instant on n'a que 3 litres chacun par jour en fait, hein. Là moi j'ai tablé sur 1,5 litre pour le poids, hein, déjà. Le but du jeu c'est quand même de voyager le plus léger possible, sachant qu'une bonne partie de notre matériel va suivre avec les ânes en fait, hein, et tout le matériel pour le campement, pour la cuisine, voilà. Donc on a un repas à midi, alors là on va manger un casse-croûte cette fois-ci parce que c'est pas trop accessible, il n'y a pas d'endroit pour cuisiner. Ce soir on va se rattraper et en général voilà c'est ça, c'est deux plats, une soupe, un plat. Hier on a mangé une harira avec couscous, tam, avec de l'agneau, c'était délicieux. Et voilà, donc on a 3 étapes aujourd'hui. On va pouvoir se reposer 3 fois. Et ça ne sera pas de trop, parce qu'il y a quelques personnes. Ça va dans l'ensemble quand même. Mourad nous avait préparé, en fait, il nous avait un peu grossi la chose pour nous préparer psychologiquement, afin qu'on puisse vraiment entamer cette montée agréablement surpris. Hein. C'est pas excessivement dur, hein. Concrètement. Si on va au bon rythme, on va dire sur la quinzaine de personnes, il y en a deux qui ont un peu de mal à suivre et ça va. On les attend et tout, ils ne nous retardent pas non plus, puisque vu que les paysages sont quand même assez intéressants à contempler, on prend le temps. Hein. Soulen, soulen, comme on l'a dit. Voilà.